Monseigneur Louis Kébro, premier évêque salésien d'Haïti. Monseigneur Louis Kébro est né à Jérémie le 8 novembre 1938, âgé de 83 ans. Il a fait des études d'agronomie puis est entré au noviciat des Salésiens. Le 15 août 1963, il prononce ses vœux perpétuels dans la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Il poursuit ensuite des études de philosophie et de théologie au séminaire salésien de Porto Rico, puis de Sherbrooke au Canada. Il est détenteur d'un baccalauréat en théologie et de master en counseling pastoral de l'Université Saint-Paul à Ottawa au Canada. Il est ordonné prêtre le 11 mai 1974. De 1974 à 1986, il est directeur du Collège Dominique Savio et de la communauté salésienne de Pétionville. De 1983 à 1986, il est délégué provincial avant d'être nommé par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 1986, évêque auxiliaire de Port-au-Prince. De 1987 à 1998, il est président de la Commission épiscopale d'éducation catholique, CEEC, recteur du petit séminaire Collège Saint-Martial, recteur du grand séminaire Notre-Dame. Le 30 juin 1998, il est nommé évêque de Hinche par le pape Jean-Paul II, puis nommé archevêque métropolitain du Cap-Haïtien le 1er mars 2008. Fondé en 1864 par Jean Bosco, un Italien natif du Piémont, les Salésiens de Don Bosco, Société de Saint-François de Sales, se dédient à l'éducation et à l'évangélisation des jeunes pauvres et abandonnés. Arrivés en Haïti en 1936, ils remplissent leur mission à travers l'enseignement dans des écoles professionnelles, secondaires et primaires, la pastorale paroissiale et dans les centres de jeunes, JB.